Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans 20 sur 20. Dans 20 sur 20, nous faisons des coups de taille éditoriale qui sont dans la livraison journée. Nous disons tout qui est dans le journal. Là. Nous faisons même exercice pour Ticket Magazine avec un rédacteur ou une rédactrice de rédaction. Si là, c'est souvent Gloïse Nelson qui fait exercice là. Nous, c'est les mêmes que nous trouver dans quelques instants pour faire également avec nous. Mais pour l'éditorial qui citerait la justice d'eau au mur, qui est signé par Jean Farès Jérôme, assistant secrétaire de rédaction au quotidien Le Nouvelliste, eh bien, c'est les mêmes qui pourraient le faire décrétage là avec nous, Jodia. Fafa, bonne nouvelle. Bonsoir Alphonse et bonsoir à tous les spectateurs. C'est un plaisir pour nous, Jodia. On bien content. Gain où la justice d'Omion, Jean-Noël Lafares, c'est cet éditorial là qui font constat des acteurs du système judiciaire sont à couteau tiré et ou by exemple situation de blocage qui gagne suite à conflit ça qui gagne entre le barreau et le parquet à cause du dossier au carré le constat Berson Soljo, directeur départemental de l'Ouest de la police, avocat, il a pris résolution, il a demandé tête après deux incidents qui étaient arrivés, qui concernaient M. Soljo. Un incident en particulier, pardonnez-moi, et un autre incident qui concernait des avocats qui étaient vraisemblablement, d'après ça, démolestés par des policiers. Et oui, ça fait plus passer un mois, il y a un conflit ça là, et il y a quoi conséquence sur le tribunal de Port-au-Prince, côté que l'avocat est en grève, il n'y a pas à le plaider, et ça cause depuis entre les judiciaires là, et c'est paralysie totale. Et moi, je dis la justice de Omion, c'est pour dire que la justice n'a pas marché. Acteur Omion encore, acteur la justice. Et il y a un incident qui était comme c'est dans l'espace côté le droit à faire, côté le droit à appliquer. Mais nous pensons que l'acteur était qu'à joindre moyen légal et pas loi ou même, pas principe même, puis résoudre la crise et crise, puis résoudre le conflit. Malheureusement, c'est un bras de fer qui est engagé autour de questions ça. Et qui parle bien comme vraie victime, c'est des monde qui a plein de justice. Les justiciables. Exactement. Et ou soulignez-le, ou dites de l'incident ça, dans n'importe qui état de droit, moi insisté sur ça, Fares, devrait être traité selon la loi, mais pourtant, il y a occasionné un bras de fer. Est-ce que l'état de droit, pour qu'on prenne racine, pour qu'on chita dans nos us, coutumes et pratiques, et surtout au plus haut niveau, côté des gens qui ont des fonctions, dit au premier plan pour permettre que l'état de droit chita n'a parlé de policier, n'a parlé de avocat. État de droit veut dire que c'est le loi qui dit la primauté du droit. La primauté du droit, c'est la dictature de la loi. Principe et de la loi. Ça dit que tout ça qui arrive, c'est pas une question œil dans vos dents, mais tu as regardé que ça loi veut dire le côté pour avoir une décision pour trancher là dedans, un arbitrage. Malheureusement, très souvent ici, tu retrouves nous c'est de son terrain de bataille. Côté mon niveau bataille pour que ça arbitrage soit parce que c'est surtout faible soit parce que nous ne voulons pas investir sur le tranché parce que nous voulons à tout coup à du point de vue une raison et loi devant loi va faire les une raison c'est une enquête c'est une décision pour dire que c'est une raison et mon qui perd du aller plier en bas décision ou bien aller devant c'est ce qui peut parce que et puis tout le courrier qui dit que on pas une raison perdu de soit accepté ou quoi payer non payer ça vous payer c'est une parfaite illustration de manque de confiance que des acteurs importants dans le système là gagnent par rapport au système là ça peut être interprété comme ça Farès exactement c'est ça dit parce que acteur ou pas gagné confiance système là il y a pas été justice et si on essaie d'imposer rivé quel que soit mon dans un système démocratique ça pas obligé pénaliser tout le monde dans le système peut-être ça et bien on peut toujours résoudre le conflit devant le tribunal et puis l'institution va marcher. Ça va empêcher les prisonniers devant le juge. Ça va empêcher qu'il y ait un travail pour gagner vie. Et en plus d'avocat, c'est de ça où vivre, c'est là où le travail est touché. Bon, c'est ça avocat lui-même. Et on imaginait qu'on était supposé libérer en octobre dernier, pour son conflit là depuis début octobre. Et on ne peut pas devant le juge parce que pas gagner et. Parce qu'il y a une crise. Donc c'est pénalisant pour les justiciables. Pénalisant pour les justiciables. Et nous connaissons le système de justice noir. Il y a des gens qui font déjà pire en prison par rapport à ce fait. Et bien, quand on que ça pourrait faire des gens faire des emprisons parce que Dieu ne va pas le passer en bas. Pour raison pour l'autre. Pour raison pour l'autre, il y a pénalisé. Maintenant, Farès, nous avons utilisé une image avec vous pendant la discussion de l'éditorial là. Chaque monde qui a un petit bout de raison, les qui avaient un petit bout de raison en amené. Si vous comprenez un petit bout de raison, ça, le reste, il s'en balance comme de l'an 40 du reste, pour citer quelqu'un que je connais. Est-ce que ça veut dire que une société qui est en délitement, et ça a tout son lot expression de délitement société?
Et très souvent, avocat, on dit, bon, bah, avocat, nous, on a dit, Abdil, la défaite du droit est provisoire. Il semble que ici, la défaite du droit, c'est permanent. Et, à tout niveau de la société, il y a un conflit qui est en train de se régler face à face, sur terrain de bataille, au détriment du reste de la population. Il y a une notion qui est beaucoup appropriée, tout bon, vrai, c'est question de. Médiation, arbitrage, jugement. Arbitrage et tout, ça, nous avons le bien public ou bien public. Par exemple, chambre, c'est bien privé, ou qu'a fait sauver la ville, ou qu'a fait le cabinet de la ville. Mais en place publique, il faut gagner des arbitrages, il faut y intégrer tout le monde. Yon, oui, par exemple, son bien public. Eh bien, c'est pas seulement utilisé pour aller se bloquer le bonjour. Malheureusement, je dis, ah, on ne pas touché, il bloqué route là pour ça. On ne pas gagner de la carrière, il bloqué route là pour ça. On ne pas un courant, bloqué route là pour ça. Et un docteur, il fait un porte l'hôpital là. Même Jean que après, on fait un porte tribunal, je dis, là. Là, on va dire, c'est le droit, la justice, trouver Domio. Maintenant, Fares, ou par exemple, des gens qui sont dans la pénitentiaire nationale, des gens qui ont souffert dans le chair, qui ont besoin de libérer là, et ils n'ont pas libéré. Il y a des gens qui ont besoin d'encadrement avocat pour qu'on sorte, ils n'ont pas besoin de mais il y a des gens tout, et ce n'est pas seulement au niveau pénal, il y a les affaires civiles, les affaires commerciales qui ont réglé. Tout bagaille ça yo le a gardé li est-ce que c'est ensemble de bagaille ça qui fait que du pays a globalement pas compétitif par exemple si c'était dans l'hôpital là ça devait tu as pour un tel monde tu as comptabiliser 10 15 monde mourir il y a des bagaille qui abstrait pas contrôler le mot pas contrôler pète là tout et sous mon avènement gros mango a gâté ou quand il dit mon a perdu 10 000 dollars mango il a perdu 20 30 mango mais l'autre question même qui peut gagner des répercussions sous image sous un paquet et en disant l'autre pays même côté que tout ainsi sur le marché, qui ont besoin de faire business. Il faut qu'on avocat, il faut aller devant un juge pour résoudre pour l'autre. Et bien, on fait un papier à la minute pour faire. Pour que ça pour régler. Et bien, dans notre pays, ça, on fait de quoi être venu là-dedans. Comme il y a une crise depuis un mois dans l'institution judiciaire, et bien, on n'a pas qu'à venir besoin, ça, et on retourne le mois prochain. On dit c'est à venir pour vous devenir faire ça. Ou juste à l'autre côté. Et bien, tout ça pour aller dans l'image, tout ça pour aller dans notre clinique, dans le rapport, tout ça pour aller dans. Performance pays, il y a une question. C'est un tout. Mais vous posez la question conscience. Est-ce que vous êtes conscient de la situation ça est conscient que l'empire sort justice à bio, sort pays, image pays globalement. L'homme de conscience, sans doute, soit parlé. Là, il y a des bon, c'est supposé des gens qui font de grandes études, qui ont un parcours par rapport à côté. Mais discours, c'est que des petits gens qui disent on va quitter pour moi. On va quitter ça en jeu. C'est comme si c'est ça que nous avons dit, c'est mon mieux que nous avons en avant. Il n'y a pas regardé les conséquences, il n'y a pas regardé. On dit qu'il y a des pays côté que l'autorité connaît que si tel va arriver, je vais apporter la justice. L'État va dédommager, mon avis de responsabilité. Eh bien, on ne parle pas de précaution que nous prenons. Chaque monde dit de faire affaire, battre le fait, il n'y a pas responsable. C'est va arriver. Ici, il n'y a pas de responsabilité, ça. Le monde mourir, mourir. Je ne fais pas pour, je fais aller, c'est fini. Et ça va te faire ça. Moun sa pa fè sa pou te fè a ou même désolé que pa obligé de dire désolé. Et bien ça fait que gon irresponsabilité tout niveau dans société a. Et ça les pénalise. Maintenant dans tout ça, il y a le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dans une note publiée vendredi, il rappelait Tif Kalsa Fares ou soulignait que la justice est un service public qui ne peut être interrompu sous aucun prétexte généralement quelconque. Il fallait je le rappelle. Et une société son système. Côté que on dit une image on dit une machine chaque type pièce de machine n'a un sens s'il dit le va travailler et bien toute machine est obligée de camper même genre le corps humain si on passe dans corps du va travailler que soit petit que le décalier il décalier faut camper regarder ça gagner pour l'autre qui sympathiser avec elle il paralyser toute l'autre on dit que avocat il roule avec policier avocat au camper on dit docteur il roule avec patient docteur camper on dit policier camper parce que policier avec un policier qui était subit une injustice on dit que journaliste dit même que parce qu'on confère pour mourir pas bail ça ce que il bail vivant ou bien je ne crois pas bail nouvelle encore on imagine que il me commence à dire bah c'est pas parce que va payer tel depuis combien mois et bien imaginez ça se fait tourner et rapidement et puis c'est le chaos et bien chaque monde fait par yo gain plus rôle par yo pour qu'on ait que service soit balé c'est pas peut-être va peut-être balé c'est pour la société gain monde pas jeune pénaliser il va qui va de café même pour une minute et ça fait fort et puis c'est tout recours gain
va finir épuisé, mais tout va passer dans l'autre phase. La phase de confrontation. Mais note ça du pouvoir judiciaire. Je pense que c'est le bienvenu pour rappeler ce qui devrait être. Bah, que tout le monde à niveau ça doit connaître, que le service public n'a pas qu'à interrompre. Et voir, voir le faire, mais tribunal. Exactement. Et. Garder quand c'était ou t'es quand en place ou t'es quand en place pour un service ça tout au jour qu'a vienne besoin tout parce que on obligé toujours occuper fonction quoi hier bon gain deux on a eu qu'a frapper mon ou qu'a provoquer accident ou loi pour caille ou besoin la justice dans tout cas de figure même si c'est qu'a organisé ça on fait gain des juges arrêter ça on fait des avocats arrêter là ça faut aller devant juge faut bon processus avec tout l'autre monde et même chez l'hôpital, au cas docteur, je dis, avec des CVC ou comme qui trouve une place patient. Mais expliquer que des gens ont aussi au niveau, par contre, ça, justice là, sur le service public qui n'a pas interrompu, sous aucun prétexte que ce soit. Et en plus, ça va faire, c'est mon privilège que vous gagnez, c'est un maillon dans la société, là, que ou bien service, notre service surtout. C'est peut-être ça, lorsque des problèmes posés, vous prenez des lois, il y a des gens qui assurent qu'ils ont appliqué pour ne pas camper la société, là, peut-être ça. Et c'est sûr, c'est pas pour le conflit qu'il y a entre acteurs, ou entre acteurs judiciaires et policiers. Ça a souvent répété, malheureusement, à chaque fois, c'est arrivé sous terrain, confrontation. Maintenant, vous demandez, est-ce que ça permet qu'il y ait des solutions qui joignent dans le problème? Ou optimiste après publication de notre dossier SPJ? Bon, je ne suis ni optimiste ni pas optimiste. Et je suis là pour garder le constat, comme journaliste. Est-ce qu'il a fonctionné normal parce que là, il a son prix citoyen? Bon, est-ce que, bon, il y a des attitudes qui arrivent dans le bas de savoir, soit le monde qui a la responsabilité, ou du moins, il y a quitté la police, parce qu'il y a un bar à Kembe encore, et puis il y a un mouvement pour Kembe, la police est pour contre. Maintenant, la police nationale d'Haïti, ou Dili, la police nationale d'Haïti a fait un geste qui devrait aider à calmer le jeu. Elle a adopté une mesure conservatoire contre l'obligation sur le jour. Ce dernier doit se présenter en uniforme jusqu'à nouvel ordre à l'inspection générale de la PNH du lundi au vendredi de 8h à 16h. Vous demandez, est-ce que ça est suffisant pour porter les avocats défenseurs de la veuve et de l'orphelin à un gros nom et pour fléchir sous position? Et oui, c'est juste une question. Et par contre, sa mesure est en soi et ça lie en soi. Mais que la justice a annoncé qu'on mesure conservatoire contre monsieur sur le jour. C'est sûr, c'est après enquête que je dis. Bon, c'est ça que tu as cette logique là. Si il y a deux personnes qui accusent l'autre, on mène une enquête, on regarde. Et des fois, même si je ne vois pas toujours ça, je ne vois pas, comme journaliste, moi-même, il va parce que je ne vois pas qui fait le vrai des fois, et on voit qu'on compte pompier ou de sortir. Ouais. Et là, et c'est à ça que tu as voix normale dans le problème. Non? Institution, je vois lieu. Mais est-ce que ces deux institutions, c'est plusieurs, il faut que chaque jour, on ne voit tout. Alors, tout le monde, je vois lieu, insister sur ça. Et la voie choisie par les acteurs du système judiciaire pour étouffer leur querelle devrait interpeller la société haïtienne dans la mesure où elle est malheureusement devenue la norme. Pour cause, fermer les portes des institutions et bloquer les routes sans se soucier des usagers deviennent notre méthode préférée de résolution de conflits. Voilà l'une des conséquences de l'affaiblissement de nos institutions. Dommage que nous continuions à les enfoncer par nos refus de respecter la loi. Globalement, en quelques secondes, Fares, là c'est... C'est mon type d'expression qu'on prend là. C'est toujours violent, c'est toujours confrontation. Est-ce que la société a parvenu à normaliser ce type de comportement extrême? Des fois, nous disons parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les conséquences qu'ils font. Mais si les gens ont un niveau, ça fait, nous sommes sûrs qu'ils ont des conséquences. Malheureusement, ils font dans tout niveau. Il a vu qu'on a un professeur bloqué route là. Sans soucier de monde pour aller à l'hôpital, monde qui vient pour aller voyager. Oui, exactement. Touristes, monde qui vient quitter depuis, il y a des rendez-vous. Sans soucier de ça, monde qui vient à travailler, pas rater le travail, soit parce que l'opération qu'il va faire, eh bien, ça fait dans toute l'immense, malheureusement, une gravité n'a pas normalisé. C'est triste. C'est triste. Merci beaucoup. Ça vient dans la comparaison. Et pour jeudi à là, et. L'édition week-end. Oui, l'édition week-end là, c'est une question artisanat. Dans ma chatte, il y a le prix artisan de l'année est relancé. Acheter les œuvres, consommer les produits Babancourt, une façon efficace de financer les artisans. Séant prêt à un remaniement ministériel s'il le faut. Et puis, tu as gagné un discours de Jacques Lumac à l'occasion du 30e congrès annuel de la Haitian Studies Association. Et tu as gagné en dernier lieu, et le pays n'a pas un problème de gouvernement, mais de management, Dixit Gariboudou. Merci beaucoup, Farid Jérôme. C'est un plaisir. Le plaisir a été pour nous, Farid. Je parle tout ça qui non. Ticket Magazine avec Glorieuse Nelson. Bonjour Glorieuse.
Chloé Nelson de la rédaction de Ticket Magazine, je ne dis ça il y a quelques secondes, c'est Vincent Bangol, tu as gagné un magazine Glorieuse. Comment ça va? Ça va, Alphonse? Moi, très bien. Régime qui a pas fait chemin. Pourquoi parler? Mais c'est le week-end où tu es bon. Dès avant le week-end, on a travaillé. On a travaillé. Alors, c'est le numéro de ticket vendredi 9 novembre qui se passe. Un article autour de l'artisan de l'année qui relance pour 12e édition artisanale en fait ça. Et il y a 5 artisans. Anissa qui a recevoir prix ça. 5 artisans de différentes catégories qui parlent ou même peut recevoir prix. Artisan de l'année. L'avenir, bien évidemment, bientôt, et organisateur a bien pour plus de détails. Évidemment, il y a différents membres qui composent le jury qui peuvent décider qui est cet artisan ça, ou qui peuvent gagner prix ça. Ensuite, Maestro présente tout neuf à la presse, et deuxième album, premier album, pas deuxième. Parce que premier album, effectivement, que Tian Tito participe sur littéralement Maestro, et c'était album solo pal. Mais maintenant que l'on a un groupe qui parle de 2 ans là d'ailleurs, il a présenté le premier album qui est tout neuf. Neuf. Et puis, Ginou Pierre Taverne revient au devant de la scène avec Révolté. Ginou Pierre Taverne, qui c'est une chanteuse évangélique, qui lui-même, l'a œuvré dans le monde évangélique, là, et lui a fait son premier album, mais carrière lui prend le pas sous la musique, parce que lui n'a pas fait uniquement musique pour lui vivre. Ça fait que lui n'a pas forcément de temps pour le consacrer à la musique. Mais maintenant, elle revient. Et puis, Pau Bœuf font un article qui est autour de Pau Bœuf. Il y a plusieurs utilités. Bien évidemment, les gens qui aiment consommer, nous connaissons, nous mangeons, nous consommons. Et ils permettent que nous sommes capables de faire cuire. Il y a vraiment un paquet d'utilités. Et l'article s'est sorti dans le cadre d'artisans, en fait, côté gagnant et des artisans qui utilisaient pour bœuf là pour faire différents produits qui étaient très belles hein? D'ailleurs un artisanat en fait qui passait week-end ça et puis entre vous dire Mika nos bœuf et pas bœuf nous parlons bœuf encore sont nos bœuf là no fight monsieur qui Antonio songe semaine dernière tu as un petit fait qui t'a volé là entre eux et Moody Woodboy qui était mettait affiche et musique que il pas sorti manche dehors et Mika Ben qui réagit sans le pas citer Woody hein sans pas mentionner musique là tout que et ben faut que nous promote ça positif etc et Woody était rapidement répondre pour parler du fait que Ils sont victimes. Mais maintenant, deux artistes ont entendu, ils ont posté des vidéos sur Internet là. C'est bien, les gentlemen. Hein? Justement, donc, tout le monde en forme. 10 sur 10, hein, pour tout le monde. 10 sur 10, pas aucun problème. Donc, merci aux qui entendent. Monsieur a dit ça le pensé, l'autre a dit ça le pensé, mais sans animosité, la vie continue. Voilà. Et puis, on a dit qu'il parlait de René Désir. Qui sorti deuxième album ni Haïti Pile sous Pile, vendredi qui saute passé là, non, Le Villat. Côté libre spectacle, Ivan et album néant et un album qui a plusieurs collaborations sous lui. Et dans le spectacle, ça a été Diem Germain, il y a un paquet d'autres artistes et René Désir qui vraiment est tourné après un pile péripétie, capable de dire, parce qu'elle a eu des mésaventures dans l'enregistrement album ni à n'importe deux reprises, toute salle fin fait net, album paré, puis il perdit tout le bagage. Du coup, elle a été découragée. Mais finalement, il côté deuxième album ni pour nous. Même si c'est 8 ans après, elle est quand même là, Nettie, elle est de retour. Ça a pris du temps. C'est une chanteuse que m'adorais. Moi, je m'attendais particulièrement à l'interprétation de Yann Valou, que je m'attendais over and over avec un superbe texte de Martino. Belle bagaille. C'est ça qui te gagne dans le ticket. Quoi qu'il y a un ticket, ce qui support. Internet là, vraiment, chaque monde a un téléphone. Cliquez ticket, allez sur Facebook, cherchez ticket, allez sur Instagram, gratis. Cherchez ticket. Gratis. Totalement gratuit. Et puis, allez sur le site Le Nouvelisien, lenouvelis.com, et puis cherchez onglet ticket. Et puis, nous avons tout un ticket. Voilà, merci beaucoup, Glorieuse Nelson de la rédaction de Ticket Magazine. C'est là de Maison Bout, 9h sur 20. Suivez-nous tout partout, nous sommes tout support. C'est là, Maison Bout, dans l'édition, ça, Kimbella, à la guerre.